du public, un coup de cœur style et un coup de cœur accessoire. Donc vous voterez aujourd'hui pour le prix du public et nous allons donc remettre les prix à l'issue du troisième défilé vers 20h45. Cette cérémonie, ce défilé est diffusé en live sur Instagram et sur Facebook. Donc vous allez sur l'Instagram et le Facebook de Modart et donc vous pourrez dès 20h45 savoir qui sont les gagnants de cette 15e édition. Je cède la parole à la directrice de Modart, Marie Chérifi. Merci Annabelle. Je vais aussi faire court parce que on est donc contingenté un peu par le temps aujourd'hui. Moi, je voulais juste insister sur le fait que vous allez voir défiler en fait des étudiants donc de la classe de troisième année et vous verrez que, et c'est ça la fierté de Modart, c'est pour ça qu'on s'appelle Modart International, c'est que nous n'avons pas que des stylistes créateurs français, mais des stylistes qui viennent de différentes régions, de différents continents. Pour nous, c'est évidemment extrêmement intéressant parce que du melting pot, des mélanges, naissent la créativité et naissent les richesses. Vous allez voir défiler des étudiants qui viennent d'Iran, qui viennent de Russie, qui viennent de Corée, qui viennent de Chine, et j'imagine que je dois en oublier. J'en suis désolée, c'est l'émotion. Mais je voulais... Et de qui ? J'ai dit. Bref, vous les verrez. C'est un vrai plaisir de les avoir vus tous travailler ensemble. Parce que, au fond aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement de les avoir les uns et les autres, mais c'est qu'ils travaillent tous ensemble, qu'ils se regardent, qu'ils s'observent, qu'ils se conseillent. Et jusque-là, en tout cas, on n'a pas eu de bagarre. Ça s'est toujours bien passé. Et je crois qu'il y a un grand respect entre eux. Donc, ça pourrait donner des leçons à bien des hommes politiques. Voilà, donc je vous laisse profiter de ce moment très agréable et je passe la parole à Tiphaine qui voulait un peu vous parler de certains des travaux en particulier. Merci Marie, bonsoir à tous, très brièvement parce qu'il faut laisser place aux créateurs, hein, c'est leur soirée. Vous aurez l'occasion ce soir de découvrir notamment deux pièces en fourrure qui ont été créées par nos étudiants, mais aussi produites par des artisans fourreurs à Paris. Et ceci a été possible car il y a eu un partenariat entre la Fédération française des métiers de la fourrure, qui nous a proposé de travailler avec eux et de proposer aux étudiants de concourir. Donc deux étudiants ont gagné ce concours. Et grâce à une subvention financière du Défi, qui soutient la création en France, ces deux étudiants ont pu réaliser leurs pièces chez des artisans fourreurs. Donc les pots ont été financés grâce au Défi, mais aussi la fabrication chez des artisans. Donc c'est voilà, suffisamment chouette, intéressant pour qu'on le souligne. Vous allez voir les pièces. Et puis je voudrais juste ce soir aussi, j'ai une pensée très forte pour les professeurs, les enseignants qui ont travaillé avec les étudiants en modélisme, en création textile, en accessoires. Et sans eux, tout ceci n'aurait pas été possible. Donc, merci à eux. Je vous souhaite un beau défilé. Merci. Trachetta Interstellaire. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it.
Empreinte, une collection inspirée du végétal et évidemment du développement durable. Innocence, deux silhouettes juvéniles en douceur avec Julie Stenberg. Et c'est la collection Quai des Poètes créée par Sarah Labouze avec un très beau travail sur les accessoires et une pièce en fourrure. Sarah fait partie des étudiants qui ont gagné le concours avec la Fédération française des métiers de la fourrure. Meshkat Rangbaran, une étudiante iranienne free of emptiness, qui a utilisé des tissus locaux, des tissus iraniens dont vous pouvez apprécier la beauté, la brillance. Stéphanie Sayed, 314 pur, le bleu clin, accompagné du gold, gold clin aussi. Et vous pouvez découvrir la deuxième pièce en fourrure, toujours créée par Stéphanie Sayed. Et vous pouvez également apprécier ce bleu profond qui a été teint en Italie avec des pigments très profonds. Yasmine Koulalem, Oxymore. Un projet entre haute couture et sportswear. Voyage avec une proposition très futuriste. Get out of trap, le travail de Victor Paysan.
C'est ancré dans le réemploi, le recyclage et une belle réflexion sur notre temps. Travail de Clara Anissé avec la collection Qualia met en valeur les cordes, les tressages avec un travail artisanal. Jade Audrion, Northern Wanderer, une collection sur l'exode urbaine, une vie ailleurs. Spatial. Un travail inspiré du tailoring. Le travail de Lia est suivi de la collection de Jenny Molinari, Sans nom, un travail sur le volume et une autre façon de couper le vêtement. Alcazar, une inspiration hispanique avec un très beau travail de broderie à la main. Wang. Vous pouvez apprécier des accessoires hybrides entre sac, coussin, prêts pour le voyage. Beauvois a travaillé une collection nommée Envolée Astrale où le satin et l'idée du soir est très très
très très présent. Déséquilibre entre symétrie, asymétrie, une inspiration très architecturale. À la couleur avec Sarah Viala, Ciruse, apprécier ce travail d'imprimé textile qui est un imprimé exclusif créé par Sarah. Darina Bragance, Ukiyo, une collection coupée pour le voyage avec des vêtements fonctionnels dans des tissus innovants, infroissables. Et vous pouvez apprécier une silhouette créée par Jezia Djebouri dans sa collection Naiade. Une silhouette inspirée du lingewear avec un look résolument pyjama dans un tissu irisé. Signum, la collection de Karel Litzer, un très beau travail de modélisme entre souplesse et structure. Vous pouvez apprécier le travail des accessoires, des bijoux notamment. Regardez de près. Créations sont suivies par la collection de Célia Pardigon, Symphonia, où nous pouvons découvrir un travail de teinture sur une mousseline de soie, une teinture faite à la main, dans des camaïeux violets, fuchsia. Appréciez la traîne dans cette mousseline de soie et ses volants nombreux qui virevoltent, une teinture toujours artisanale faite à la main. Et enfin, la collection de Sofia Kuzina, une étudiante russe. La collection ID Collection nous présente beaucoup d'imprimés avec des autoportraits de Sofia qui a voulu jouer le surréalisme. Thank you.
Eh bien, bravo à tous nos étudiants. Sophie Trinchetta. Priscille Denis Préchat. Julie Stenberg. Iranienne. Stéphanie Sayed, jeune designer libanaise. Yasmine Koulalen. Voici Karel Litzler. Célia Pardigon.
Sofia Cousina. Merci, bravo, bravo à tous. Voilà, c'est la fin de ce défilé.